repli! Ils sont là! Très bien, Inquisiteur. Vous avez votre ouverture, servez-vous-en. Nous allons occuper l'armée de démons aussi longtemps que possible. Ne vous en faites pas! Occupez-vous des troupes! Nous ferons ce qu'il faut, Inquisiteur. Le garde Logain va surveiller vos arrières. Hawk est avec nos soldats sur les fortifications. Il les aide en vous attendant. La résistance est farouche. Nos soldats montés sur les échelles n'arrivent pas à percer. Si vous arriviez à dégager les remparts, nous pourrions couvrir votre avancée. Absurde! La voie est libre. La suivante. Thank you.
Toujours un plaisir. Bien joué. Restez avec mes hommes et veillez à ce qu'ils survivent. Je ferai mon possible pour repousser les démons. Garde, nous voilà trahis par le monde que nous avons juré de défendre. L'Inquisition est à l'intérieur, Clarelle. Pas le temps pour les formalités. Ces hommes et ces femmes donnent leur vie, Magister. Ça ne veut peut-être rien dire à Tevinter, mais pour les gardes, c'est un devoir sacré. Cela fait bien longtemps, mon cher ami. Oh, longtemps, Clarelle. Si mon bras ne peut plus brandir mon épée, puisse mon sang continuer de servir la garde. J'y veillerai. Arrêtez-les! Nous devons achever le rituel! Clarelle, si vous terminez ce rituel, vous faites exactement ce qu'Erimond veut. C'est-à-dire combattre l'enclin, protéger le monde des engeances. Nous voulons la même chose. Eh oui, le rituel requiert un sacrifice du sang. Maudissez-moi si vous le voulez, mais pas les gardes, qui ne font que leur devoir. On fait les sacrifices que personne d'autre ne veut faire. Nos guerriers meurent fièrement pour un monde malheureusement ingrat. Et lui, ensuite, il livre l'esprit de vos mages à son vrai maître, Corypheus. Corypheus ? Il est mort ? Ces gens sont prêts à dire n'importe quoi pour vous manipuler, Clarelle. Apportez-le-moi ! J'ai vu assez de magie du sang comme ça. Ça n'en vaut jamais la peine. J'ai trahi les gardes une fois, et j'ai tout perdu. Vous croyez vraiment que je suis prêt à recommencer ? Tenez-vous prête pour le rituel, Clarelle. Ce démon est digne de votre puissance. Blackwall, vous pourriez leur faire entendre raison. Vous ne me connaissez pas, mais mon nom vous dit peut-être quelque chose. Comme vous, j'ai donné ma vie à la garde. La première fois que j'ai revêtu cette armure, j'ai su que j'avais trouvé ma place, que je faisais partie de quelque chose de grand. Ce sentiment de sécurité, je le connais. Mais mourir ici aujourd'hui n'arrêtera pas l'enclin. Si vous voulez arrêter l'enclin, tuez cette vermine, là-haut. Son maître est l'incarnation même de la corruption. Clarelle, on y est presque. Tout repose entre vos mains désormais. Et si on vérifiait la véracité de leurs accusations, pour éviter d'autres effusions de sang? Et si je faisais venir un allié un peu plus fiable? Mon maître...
maître se doutait que vous viendriez, Inquisiteur. Il m'a transmis un cadeau de bienvenue. Vous avez détruit les gardes. Vous avez fait ça toute seule, pauvre idiote. Je n'ai fait qu'agiter un peu de pouvoir devant vos yeux, et vous avez sauté sur l'occasion pour faire couler le sang. Pu servir un nouveau dieu. Je ne servirai jamais l'enclin. Réserve la paix.
s'est-il passé? On est tombé. C'est ça, l'au-delà? La chanterie me doit des excuses. Cet endroit n'a rien de paradisiaque. Non. L'Inquisiteur a ouvert une autre faille avec sa marque. On est dans l'immatériel. L'immatériel ne ressemblait pas à ça la dernière fois. La première fois que j'ai foulé l'immatériel, il y avait un joli château rempli d'or et de soie. J'ai rencontré un merveilleux démon du désir. On a parlé, on a mangé du raisin, puis il a tenté de me posséder. La différence, c'est peut-être qu'on est ici en chair et en os. Ce n'est pas un rêve. Il paraît que vous êtes sorti de l'immatériel à Dars. Ça ressemblait à ça? Je ne sais pas. Je ne me souviens toujours pas de ce qui s'est passé la dernière fois. Bon, quoi qu'il se soit passé à Dars, on n'est jamais trop prudent. Le démon était juste de l'autre côté de la faille qu'Erimond utilisait, et il pourrait y en avoir d'autres. Dans le monde réel, la faille au démon était proche, dans le vestibule. On peut peut-être rentrer chez nous comme ça. Je n'ai pas de meilleure solution. Allons-y. Ça se passe vraiment comme ça quand tu rêves. Mais comment tu fais pour dormir? Tu te souviens de la dernière fois qu'on a fini dans l'immatériel, Hawk? Ah, comment pourrais-je oublier? Mes amis ont fait preuve d'une telle loyauté face aux tentations d'un démon. C'était il y a longtemps, tout ça. Fouillons un peu les parages. Impossible. Garde, héros, je vous salue. Divine Justinia. D'après mes quelques souvenirs de ce qui s'est passé à Dars, je vous croyais morte. Ça ne peut pas être la divine.
C'est sûrement un démon. Vous n'imaginez pas que j'ai pu survivre. Et pourtant, vous êtes vous-même dans l'immatériel, bien vivant. Mais prouver mon existence requerrait un temps que nous n'avons pas. C'est pourtant une question très simple. Moi, je suis humain, vous, vous êtes... Je suis là pour vous aider. Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé au Saint-Temple cinéraire, Inquisiteur. Non, en effet. Les souvenirs que vous avez perdus vous ont été volés par le démon au service de Corypheus. C'est le cauchemar que vous oubliez en vous réveillant. Il se nourrit de vos souvenirs de peur, il se baffre de la terreur. Le faux appel qui a poussé les gardes à toutes ces terribles erreurs, c'est son œuvre. Je devrais peut-être lui rendre visite à ce cauchemar. Vous aurez votre chance, cher garde. Ces ténèbres sont sa tanière. Corypheus semble avoir beaucoup de démons à son service. Comment peut-il tous les commander? J'ignore comment il commande son armée de démons. Il tire peut-être son pouvoir de l'enclin. Mais le cauchemar se fait un plaisir de le servir, car Corypheus sème la terreur sur ce monde. C'est l'un des magistères qui a déclenché le premier enclin, n'est-ce pas? Tous les enfants effrayés par l'archidémon, tous les nains gémissant dans les tréfonds. Le cauchemar s'est bien nourri. Vous pouvez nous aider à sortir de l'immatériel? C'est pour cela que je vous ai trouvé. Lorsque vous avez pénétré dans l'immatériel à Dars, le démon vous a volé une partie de vous. Avant toute chose, vous devez la récupérer. Voilà vos souvenirs, Inquisiteur. Cherchez de l'aide, vite! Que se passe-t-il ici? Amenez la sacrifiée. Donc Andraste ne vous a pas conféré cette marque. Ça vient de l'orbe que Corypheus a utilisé dans son rituel. Corypheus comptait déchirer le voile, utiliser l'encre pour entrer dans l'immatériel et ouvrir les portes de la Cité Noire. Pas pour les anciens dieux, mais pour lui-même. Mais vous avez perturbé ses plans, et l'orbe a apposé l'encre sur vous à la place. J'ai toujours su que ce n'était pas Andraste. J'ai fait ça moi-même, par mes actes. Nul besoin du Créateur. Vous voilà donc conforté. Vous ne pourrez pas échapper au cauchemar tant que vous n'aurez pas récupéré ce qu'il vous a pris. Vous avez recouvré une partie de vous, mais maintenant, il sait que vous êtes ici. Vous devez faire vite. Je vais préparer le chemin qui vous attend. Il y a un problème, Hawk? Je me demandais s'il fallait s'inquiéter que ce soit des gardes des ombres qui tenaient la divine dans cette vision.
C'est de leur faute si elle est morte. Corypheus s'était emparé de l'esprit des gardes. Vous en avez vous-même été témoin. Quoi qu'il en soit, on s'occupera de ça une fois qu'on sera sorti d'ici. Ça, j'y compte bien. Je n'ai jamais rencontré la divine. Vous croyez que c'était bien elle ? Aucune idée. Si c'est un esprit, il n'agit pas comme tel. Et un démon ne nous aurait pas aidés à ce point sans demander quelque chose en échange. Et le cauchemar ? Après ce qu'elle a dit, j'ai pas hâte de le rencontrer. Apparemment, il se nourrit de la peur et vole les souvenirs des gens. C'est bas, même pour un démon. Nos souvenirs font de nous ce que nous sommes. Rien que de penser qu'un monstre puisse les voler, ça me fait froid dans le dos. Après ce qu'il a fait aux gardes des ombres, il va payer. Tiens, on a de la visite. Monsieur vient voler la peur dont j'ai eu l'obligeance de le débarrasser. Vous auriez dû me remercier et laisser votre peur à sa place dans l'oubli. Vous croyez que la douleur vous rendra plus fort? Qui vous a mis ces idioties en tête? Le seul que vos peurs rendent plus fort, c'est moi. Mais vous êtes un invité dans ma demeure. Je ne saurais donc m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Je m'attendais à pire. Ce n'étaient que les agents de terrain du démon. Dommage. Tenez-vous prêts, ça m'étonnerait qu'il nous veuille du bien. C'est peut-être moi qui devrais avoir peur d'affronter les redoutables membres de l'Inquisition. Comme Black Wall. Ah, rien ne vaut un garde des ombres. Et vous, vous n'avez rien d'un garde des ombres. Salutations, Dorian. C'est bien vous, n'est-ce pas? L'espace d'un instant, je vous ai pris pour votre père. Ça, c'est vicieux. Encore une fois, Hawk est en danger à cause de vous, Varric.
vous avez trouvé le lyrium rouge. Vous avez amené Hawk ici. Cause toujours, mon mignon. Vous vous croyez important, Hawk? Vous croyez que toutes vos actions ont compté? Vous n'avez même pas réussi à sauver votre cité. Comment espérez-vous vaincre un dieu? Vous avez échoué. Des démons plus faibles, j'imagine, qui récupèrent les restes laissés par le cauchemar. Et bien sûr, il faut que ce soit des araignées géantes. Des araignées? Je n'ai pas vu ça, moi. Bien sûr. On voit tous quelque chose de différent. Les démons incarnent nos terreurs. Formidable. Le cauchemar se rapproche et devient plus fort chaque minute. Il sait que vous cherchez à fuir. Les démons! Ce n'est pas Andraste qui m'a envoyé de l'immatériel, c'est la divine. Et maintenant, vous... Elle est morte. Oui. Alors, on a suivi un démon. Non, sans blague. Je suis désolée si je vous déçois. Vous êtes son âme? Vous êtes resté ici pour m'aider au lieu de mourir? Si c'est l'histoire que vous voulez raconter, elle me plaît assez. La seule certitude qu'on a, c'est que la divine mortelle a été tuée au temple par les gardes des ombres. Corypheus les contrôlait. On en a déjà parlé. Si cet esprit n'a rien d'autre à nous révéler, on ferait mieux de regagner l'inébranlable. En espérant que les gardes et leur armée de démons n'aient pas détruit l'Inquisition en notre absence. Je vois. Vous avez le monopole des atrocités. Vous avez quasiment tué tous les mages de Kirkwall. Oui. Trop d'entre eux se livraient à la magie du sang, tout comme vos gardes. Mais vous êtes prêts à fermer les yeux simplement parce que vous ne pouvez pas imaginer un monde sans la garde? Quoi? Vous voulez vous débarrasser des gardes des ombres? On fait tous des erreurs. Ils auraient donné leur vie pour nous sauver. Ils pourraient encore être utiles. Et si Corypheus invoquait un nouvel enclin? On ne sait jamais.
Je ne sais pas quoi vous dire. Il y en a encore quelques-uns de bien, mais la grande majorité des gardes sont devenus fous. Bon sang, mais vous allez la fermer, vous deux ? On se chamaillera une fois qu'on aura échappé au démon de la peur. Inquisiteur. Le cauchemar nous a trouvés. En place, je vous suis. On devrait sûrement suivre la divine. Quoi qu'elle soit, c'est notre seule chance de sortir d'ici. Logan MacTyr, notre preux commandant. Dommage que la seule fois où vous avez joué les chefs, vous ayez échoué aussi lamentablement. Il a fallu vous battre jusqu'à l'humiliation pour vous éviter de détruire votre propre pays. Vous avez même condamné les gardes en leur amenant l'Inquisiteur. Vous détruisez tout ce que vous touchez. C'est tout ? Ce n'est rien que je ne me sois pas déjà dit moi-même. Croyez pouvoir me combattre? J'incarne vos peurs les plus viscérales. Je suis la main voilée du grand Corypheus, l'armée de démons que vous craignez tant. Je la commande. Oh, donc si nous vous bannissons, nous chassons les démons. Merci, flotter un peu n'importe quand ici. Je me demande ce qu'il y a là-haut. Ou il vaut peut-être mieux ne pas savoir. Ça, c'est une belle bête. Il se nourrit de notre peur. Il meurt de faim. Thank you.
semé quoi que ce soit dans ce marais. Traverser la faille, Harvester. Traverser, puis refermer la de toutes vos forces. L'armée de démons sera bannie, et cette maudite bête sera exilée au fin fond de l'immatériel. La faille, on y est presque. Merveilleux, Hawk. Tu n'as qu'à narguer les anciens dieux tant que tu y es. Liliana, que je suis navrée de l'avoir déçue. Je suis désolée. Moi aussi, je vais. Ah.
Vous n'êtes pas de taille contre moi. Allez ! Je me nourris de votre peur. Rien. Gagne la guerre. Vous allez mourir dans la souffrance. C'est de la faute des gardes. Un garde doit les aider à tout reconstruire. C'est à vous de le faire. Corypheus, c'est à moi. Hawk. Dites adieu à Varric de ma part. Encore ces foutus Sans le cauchemar, Corypheus perd non seulement ses mages, mais aussi son armée de démons. Pour vos soldats, cela dit, c'est leur inquisiteur qui a rompu le sort grâce au pouvoir du Créateur. Ils s'en sont sortis indemnes.
peuvent bien raconter les histoires qu'ils veulent, vous croyez pas? Vous avez sans doute raison. Inquisiteur, l'archidémon est parti dès que vous avez disparu. Le magister Venatori est inconscient mais vivant. Kellen a préféré vous laisser vous en charger. Quant aux gardes, ceux qui n'étaient pas corrompus nous ont aidés contre les démons. On fera tout ce qu'on peut pour racheter l'erreur tragique de Clarel. Où est Hawk? Où est Hawk? Hawk n'a pas survécu. Bon. Loghain, vous êtes le seul garde de rang rescapé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Restez et aidez comme vous le pouvez. Vous êtes encore vulnérable face à Corypheus, et peut-être face à son Venatori. Mais il y a bien d'autres démons à tuer. Pendant ce temps, je vais prévenir les gardes de Weisshaupt. Corypheus ne nous reprendra plus par surprise. Merci, Votre Grâce. On ne vous décevra pas. Vous êtes à la tête d'une grande armée, Inquisiteur. Faites-en bon usage. Loghain m'a envoyé un nouveau rapport. Il est en route pour Weisshaupt. Les gardes des ombres, ils affrontent les démons et les Templiers rouges tout en évitant les Venatori. Vous avez porté un coup décisif à Corypheus, Inquisiteur. La garde des ombres impose le respect dans d'autres nations. Si l'on communique sur le fait que l'Inquisition a son soutien, on pourrait améliorer notre image dans les pays qui ont souffert de l'enclin. Je vais en toucher un mot à Joséphine. Vous avez privé Corypheus de son armée, mais ça ne servira à rien si Orlaïs bascule dans le chaos. Tout est prêt pour le bal à Alam Shiral. Faites-nous signe quand vous serez disposé à vous y rendre. Rappelez-moi ce que nous savons du complot contre Sélène. Les Venatori ont l'intention d'attaquer la cour impériale. Il est même possible que Corypheus alimente le conflit entre l'impératrice et son cousin, le grand-duc Gaspard. Si on avertit Sélène, elle pourrait constituer une alliée de poids contre Corypheus. Je pars dès que possible. Bien. Kellen, Joséphine et moi-même allons discuter de la meilleure façon d'obtenir une audience avec l'impératrice. Venez nous voir quand vous serez prêts. Comment était-elle? Je veux dire... la divine Justinia, ou son âme, ou l'esprit qui a adopté sa forme. J'ai lu votre rapport. C'est confus, je sais, mais... elle avait l'air calme, et même sereine. Et elle nous a guidés tout du long. Ça lui ressemble bien. Elle m'a demandé de vous transmettre un message. Elle a dit « Je suis désolée de vous avoir déçu, vous aussi. Oh. » Il faut que je termine avant que ça me sorte de la tête. On pourrait peut-être poursuivre cette conversation plus tard. Merci.